C'est gentil. Non, c'est gentil. Mais honnêtement, je sais pas trop pourquoi vous êtes venu. Parce que là, c'est le quatrième épisode. Moi, j'ai tout donné déjà. J'imagine peut-être que, bon, quand même, pour la cinquième, la semaine prochaine, peut-être que, je sais pas, comme le phénix, je brillerai de mes derniers feux avant de m'éteindre. Mais là, j'ai plus rien. J'ai bien préparé des trucs, mais c'est dommage. Ça me fait un peu de la peine pour vous. Premier lundi, c'était vraiment. Ah ouais. Le deuxième, c'était vraiment. Premier lundi, c'était émouvant. Il y avait le chant des premières fois, tout ça. On ne se connaissait pas encore. C'était touchant. Deuxième lundi, c'était vraiment un moment parfait. D'harmonie, mais enfin, c'était. J'ose même pas y repenser. Quoi, parce que... La semaine dernière, bon, moi j'ai pleuré. J'ai pas honte de le dire. Il y avait tout le monde là qui était là. Pascal, excusez-moi. Faut que je me retire. C'était vraiment. Bon, évidemment, là. Ou alors on fait autre chose. Je peux vous raconter mon week-end, par exemple. C'était bien. Ou ce que j'ai mangé à midi. La cantine. Bon. Je sais pas pourquoi il y a plein de monde le jour où ça a raté, quoi. Il y a l'histoire, l'histoire. Triste, triste. Alors, j'ai préparé quand même quelques trucs. Alors, on a déjà lu la première fois, vous vous en souvenez, c'était vraiment Bukowski. Après, on a lu Pessoa. C'était le moment parfait. La semaine dernière, on a lu, enfin, vous avez lu d'ailleurs, enfin, vous. Les gens qui ont eu la chance de venir plutôt la semaine dernière que cette semaine. Vous avez lu des poèmes de haïku de Kenshin Sumitaku. Ouais. C'était beau. Bon, par exemple, cette limonade sans bulle, voilà ma vie. Point. Bon, alors du coup. On a vraiment fait le meilleur déjà. Donc là, c'est des fonds de tiroir. Mais bon, j'ai trouvé quand même un truc pas mal. Et donc ça s'appelle La belle lurette, Henri Calais. Il écrit par exemple, Le tout sur le tout. Et c'est pas du tout de la poésie, c'est un roman où il raconte son enfance, hein, ça nous changera, de la mienne par exemple. Et on commence par, on commence pas d'ailleurs, c'est la fin. Et donc après, je vais lire, après je chanterai quelques chansons, et puis après j'ai arrêté de parler, après je relis, après d'autres chansons, des vieilles, des nouvelles, des futures, et puis vous pouvez pas bouger. Ça c'est vraiment sympa. Thank you.
je fus dirigé sur l'atelier des boîtes, où je reçus un chiffon imbibé d'huile, accompagné d'instructions simples. Il fallait graisser des tas de plaques de tôle. La phase de fabrication suivante était celle de l'emboutissage. À 7 h du matin, la sirène chantait 3 fois et nous accourions. Roues, tours, volants, bielles, fraiseuses, courroies, perceuses se mettaient en branle sous la verrière. Nous aussi, pendant 8 heures, et souvent plus. Si je n'avais été préoccupé d'empiler les plaques de tôle dans le but assez mesquin, je le confesse, d'accroître mon salaire, j'aurais peut-être été touché par la poésie de la machine qui devait circuler dans les ateliers en larges effluves. J'aurais peut-être surpris l'amour paresseux, sourd, profond, rythmé, et qui ne finit pas du piston d'acier gris luisant et du cylindre huileux. Mais je n'étais qu'un jeune homme bête et ne vis rien de ces interpénétrations monstrueuses et tellement intéressantes et tellement érotiques. Je travaillais aux pièces. Pour moi, les bielles n'étaient pas du tout phalliques. On s'était occupé de moi. Debout, assis, couché, m'avait-on dit. Pas difficile. J'ai fait de sincères efforts de compréhension. Et rapidement, et pas plus mal qu'un autre, je saluais et dis merci gentiment pour chaque coup de pied aux fesses qu'on voulut bien m'envoyer. Trop aimable, monsieur le contremaître. Parce qu'il cherchait des poux dans ma tête, je me mis à lui lécher le derrière et les bottes. Pour le derrière, dans la mauvaise signification du terme. Il accepta l'apéro sans manière. « On est obligé d'être vache, » me confia-t-il. Et il l'était. Énormément. En plus du léchage de bottes, j'ai appris à mordre en douce. Un bon coup de dent à la dérobée et l'œil restant candide. Quant à ma conscience, elle était devenue totalement aphone. J'étais dans le chemin des pauvres. Poussez pas et suivez la foule. Trois quarts de ton salaire, à l'arrivée le peu qui reste, se passe dans l'essence de découvert, ce qu'elle prête pour ses petites affaires. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. La première fois que je l'ai vue devant son immeuble, je ne pouvais pas croire qu'elle était vraie. Maintenant, quand elle me parle, des fois elle sait. Je préférais me taper moi-même sur la gueule. Je trouvais la place ici il y a 2 ans. Juste derrière le service militaire, je l'ai rencontré, j'ai mangé avec sa mère. On a pris crédit 2 semaines après. Quand j'arrive à 8 h avec les collègues, Monsieur Pinto, Monsieur Cebolo, on se change dans les vestiaires, puis on va pointer au bureau. Monsieur Cebolo, il a fait 8 ans l'Angola. Ça a laissé comme un trou dans son cerveau. Il dit qu'en
quand il est revenu après ça. Vous pouvez plus supporter d'entendre quoi que ce soit. Monsieur Pinto, lui, ça fait 30 ans qu'il est là. Pays, sa famille était propriétaire. Lui et son frère, ils s'entendaient pas. Alors la nuit où son père est mort à la ferme, sa mère lui a dit de partir. Elle a fait un paquet de ses affaires. Elle est venue dans sa chambre. Elle lui a donné la moitié de son porte-monnaie. Monsieur Pinto, quand j'imagine à 20 ans, il a toujours sa tête de maintenant. Sa femme est morte l'année dernière. Ça faisait 3 ans seulement qu'ils se connaissaient. Ils disent, quand on a fait l'école comme moi, on devrait pouvoir faire autre chose. On devrait pouvoir faire autre chose que ça. Le soir, je m'arrête un peu plus haut. J'éteins les phares et puis je coupe la radio. Je regarde les autres gens qui reviennent. Avant, j'emportais toujours un peu de son odeur avec moi. Maintenant, si je rentrais pas, si je disparaissais, je crois pas qu'elle ferait même la différence. Entre avant et puis après. Elle dit d'y avoir quelque chose de mieux quand même que cette villa avec le garage. Avec les rues et les maisons toujours pareilles. C'est moi quelque chose de mieux, c'est vrai. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait. On se couchait. Sur le lit humide de la chambre froide, je cherchais l'amour au travers de mes cartes transparentes à la flamme de la bougie. C'était une bonne documentation, les 32 positions ou les 32 manières de s'aimer. L'onanisme est un plaisir vraiment gratuit, le vrai plaisir des solitaires et des pauvres. J'appelais dans mes draps sales. Que j'ai occupé le cabinet numéro 13 et fatidique, je n'en serais pas autrement surpris. De bonne heure, quand elle n'est pas bonne, il fallait se décoller les yeux pour entrer dans la gueule du loup du commencement d'un jour. La démarche était raide et maladroite, dans les vêtements pleins d'une froidure pour engelure. Le chaud se trouvait dans les poches. Au pli des cuisses. L'amertume du café noir venait remplacer dans la bouche celle de la nuit. Là-dessus, une rincette, un feu de rhum. À 20 ans, vrai, je le crois, on a une bouche tiède de petits pigeons. Au boulot ! S'écriait gaiement le père Jules.
le patron du café. Ce matin, et c'est très sale par la fenêtre. Quand t'entends les voitures, tu t'arrêtes, tu plais un petit peu. Tout va bien, ce matin, on en est là. Monsieur se lève, monsieur s'habille. Se demande quand on va bien pouvoir encore finir. Aujourd'hui, là, c'est la table de la cuisine. Là, c'est la chambre avec le lit. Là, c'est un coin qui est resté vide. Là, c'est la porte, tout est parti. On n'ira pas beaucoup plus loin. L'histoire commence ou l'est finie. Celui que ça ne sert à rien, qu'il n'y en a qu'on pas grand chose à vivre. Ce n'est plus trop la peine non plus, si c'est à ça qu'on arrive. On aura fait ce qu'on aura pu, ce qu'on aura pu aurait dû suffire. Au bureau, les lumières s'allument, et toi tu t'enfermes aux toilettes. Quand le chef arrive dans son costume, c'est cela que tu aurais disparaître. Maintenant tu es devant lui qui te regarde bien en face, et tu t'énerves de ce qu'il te dit. Il pense qu'il n'aimerait pas être à ta place, que c'est quand même un peu ta faute quand on y pense. Tout est là, ne se permettrait pas avec un autre ce qu'il se permet avec toi. Seulement, il avait pu, monsieur. Si seulement, il avait pu, monsieur. Monsieur n'a rien répondu. Parle de vacances, monsieur s'abîme dans la photo. Comme elle affiche une paire de fesses géantes, une femme qui passe crie quelque chose dans son dos. Monsieur la regarde, l'entend partir, et les fesses de la fille se collent sur les siennes. Alors monsieur ne pense à rien, peut-être qu'elle n'aura jamais les mêmes. Après, il est dans le métro avec une fille, il fait lui déjà. Il rentre, il essaye de la trouver jolie, juste un peu plus intelligente. Elle aussi a peur de finir toute seule dans son deux pièces, cuisine, salle de bain, bien enfoncée dans son fauteuil, en attendant de sortir le chien. Elle dit, mais lui, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il aime vraiment? Et il dit, mais qu'il l'emmerde, et qu'il descend les yeux fermés. Tu te sens bien, monsieur aimerait qu'on le laisse tranquille, monsieur voudrait partir très loin, que personne ne puisse le suivre. Monsieur prend le même couloir, et monsieur prend la même sortie, remonte la même rue tous les soirs entre chez lui. Là c'est la table de la cuisine, là c'est la chambre avec le lit. Il y a une lettre sur ta table de nuit qui dit que tu n'aurais qu'à venir. Que vous seriez bien là-bas tous les deux. Là-bas la vie est plus facile. Monsieur sait bien que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est lui. Hier soir il appelle la radio, on lui dit les hommes sont au monde. Tu es un homme, tu n'es rien d'autre, tu es au monde, tu es des nôtres. Et monsieur dit, mais à quoi ça sert si je suis au monde, si je suis pas bien? Et là-bas dit, à quoi ça sert? Et là-bas dit, mais le monde ne sert à rien. Aide-toi encore un peu cette nuit, monsieur, ne te laisse pas aller. La télé si tu veux l'allumer, monsieur cherche un truc pour dans le lit. La solitude avec les années, bien ça finit juste par ne plus rien dire. C'est comme la vie, faut pouvoir comparer. Pas sûr qu'il te reste assez de souvenirs. Comme il a encore trouvé moyen, malgré tout, de se faire plaisir. Quelque part ça rassure, c'est bien, mais quelque part il sait que c'est pire. Que plus ça va, plus ça le fatigue, et que ça le fatigue, il sait pas dire. Plus ça va, plus ça le fatigue, et moins ça l'aide à s'endormir. Tu dis que ça va finir par changer, comme ça que ça ne peut plus continuer. Mais tu sais que ce n'est pas vrai, non monsieur, ce n'est pas vrai. Que si tu n'y arrives pas encore, c'est que tu n'y arriveras jamais. Si tu n'y arrives pas encore, c'est que tu n'y arriveras jamais. Pas encore, monsieur. Si tu n'y arrives pas encore, c'est que tu n'y arriveras
J'agitais l'étendard de la révolte dans la salle du café. Julot, le patron, qui eût préféré des propos apolitiques, faisait une de ses têtes, la mauvaise. Après s'être commercialement contenu, il éclatait dans la discussion. « Et s'il n'y avait plus de patron, qui est-ce qui vous ferait travailler ? Hein ? Dites-le donc, beau malin !» Je répondais avec cynisme. Nous nous injections les yeux de sang et nous les faisions sortir des eaux. Des orbites. Des patrons, il en faut, vous entendez ? Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Je ripostais. On a des opinions ou on n'en a pas. Que sa société était pourrie. Et il m'objectait que sa société valait bien la mienne. Ce sont encore des idées de vos bolcheviques. Mes bolcheviques ? Ah, mais pardon, monsieur Jules. Il ne m'écoutait plus. C'était la crise. Julot avait eu des déboires avec les emprunts russes. Des titres, il en avait, disait-il, assez pour tapisser toute la salle et se torcher jusqu'à la mort. Pour Dieu, pour le tsar, pour la Russie. On voyait qu'il se faisait mal à remuer ainsi le fer dans la plaie d'argent. Nous nous accordions tous pour verser sur elle le baume de quelques tournées. Le père Jules s'entêtait encore un peu. Le communisme. Grand ennemi de la France. Rien que des derniers mots. Puis il affirmait que cela me passerait avant que cela ne reprenne. On pouvait s'entendre là-dessus. Le lendemain, je dissipais les derniers malentendus en lui remettant un pari doublé et en m'acharnant sur les appareils à gros sous. C'est bête de se brouiller pour de la politique. C'est plus pratique et puis ça pose pas de problème de conscience ni rien. Suffit garder une autre idée de soi-même sur terre et de sa mission comme enfant. Il partait, il a tenu absolument à me serrer la main. Tu m'as
demandé si ça me posait pas de problème de conscience ni rien. Et franchement, pour le coup, c'est toi qui m'as presque fait de la peine. Écoute, je ne sais même plus si j'ai même le souvenir d'avoir jamais eu quoi que ce soit qui ressemblerait à de l'opinion. Jamais eu le mode d'emploi, ce genre de conseil pratique d'utilisation. Et même sur toi, tu vois, je crois que je pourrais pas dire, mais je ne juge pas, je respecte, je m'en foutrais presque. Et je souhaite bonne chance à tout le monde. Et moi, on m'a dit que j'y étais. Et ça se trouve même, peut-être ce serait vrai. Et je dis, oh, la vie est pleine de surprises. Je ne sais plus si c'est un rêve ou si c'est... Oh, la vie est pleine de surprises. Je ne sais plus si c'est un rêve. Je ne sais plus si c'est un rêve ou si c'est la vraie vie. Mais il me semble bien que la femme de ta vie s'est mise avec ton meilleur ami deux jours seulement après que toi tu sois parti. Elle a dit, nous serons fous, nous serons l'amour, nous serons la poésie. Elle lui a dit, oh oui, moi aussi j'ai lu des livres, alors je sais que tout ça est possible. Et moi on m'a dit que j'y étais. Et ça se trouve même, peut-être ce serait vrai. Je dis, oh, la vie est pleine de surprises. Je dis, je dis, je dis, la vie est pleine de surprises. Et je dis, oh, je ne sais plus si c'est un rêve ou si c'est la vie. Et je dis, la vie est pleine.
après ce passage-là, on va faire donc, je vais faire une chanson qui s'appelle L'usine. Et après, il y aura une autre chanson qui s'appelle Sécurité sociale. Peut-être vous voyez un petit peu une sorte de ligne directrice qui semble se dessiner à travers cette quatrième édition. Je pense que les générations futures se rendront compte de... J'arrête là. C'est pour elle tout ça. Je sais. Non, bon. Stop. L'usine, sécurité sociale, deux morceaux dont j'ai bien sûr écrit les textes. Après, il y aura d'autres chansons dont je n'ai pas écrit les textes, mais fait des traductions plus ou moins heureuses. Nous en débattrons dans un deuxième temps. Je pense à une chanson des Jam, par exemple, et une autre chanson des Talking Heads. Peut-être que, bon... Celle-là aussi, je serai contente quand elle sera finie. Et malheureusement, on en est assez loin encore. Donc, deux chansons donc, sur des musiques de Jean-Michel Pires, qui donc devait être là ce soir. Mais ça n'a aucune importance, je vais les faire quand même. Ne vous inquiétez pas. Alors. On n'en est pas du tout, du tout à la moitié. Hein. Ah non. Okay. Maman venait quelquefois me voir pour m'apporter du linge, un peu d'argent, beaucoup de plaintes. Elle me disait que la vie avec mon père était comme un cauchemar. Elle faisait des ménages pour nourrir cette parfaite nullité et ses mains commençaient à se déformer. Quoiqu'elle me répétât dans sa langue que la dernière bouchée de pain, on la partagerait, je m'obstinais dans la même langue à ne pas, pas vouloir rentrer au bercail. Je devais avoir du caractère. Ma pauvre maman me donnait des recommandations qui étaient le bénéfice de son expérience. Je ne devais manger que peu de riz qui constipe, les pruneaux cuits au contraire, et peu de fraises qui amènent l'urticaire, et pas du tout de moules dans les mois sans air, mais du pain, toujours beaucoup de pain, les haricots donnent des vents, les carottes donnent de la mémoire et un beau teint, le poivre donne de bonnes blagues, l'asperge parfume l'urine. Il ne fallait que je n'ignore pas que le poireau, l'asperge du pauvre, agit aussi sur le rein, et que je mette du beurre dans mes épinards, et que je m'enfonce bien tout cela dans la tête. « Tu dois te purger, me conseillait-elle, quand ma langue lui paraissait chargée, et tu demanderas à Madame Jules, la femme du patron, qu'elle te fasse un bon petit bouillon de légumes dont tu ne boiras que le jus. N'est-ce pas, Madame Jules, que vous lui ferez un bon petit bouillon de légumes ?» Madame Jules, la femme du patron, acceptait la recette. « Vous prendrez une demi-botte de poireaux, un livre de carottes, quelques pommes de terre. » Elle était très offensée qu'on la crût incapable de faire un bon petit bouillon de légumes, mais n'en laissait rien voir, car ma mère lui faisait toujours un tour de carte avant de s'en aller. Je l'accompagnais jusqu'au tramway, comme lorsqu'elle venait me voir le dimanche chez Madame Slash. Elle parlait encore. « Rentre, me disait-elle, la température se rafraîchit. » À tout prix. « Couvre-toi bien, ne prends pas froid. » À bas prix. On n'a pas idée de ce que c'est que de travailler à l'usine. On n'a pas idée de ce que c'est que de travailler à l'usine quand on est, comme moi, parisien, protégé, chansonnel. La folie du geste, répétée 3650 fois par jour. La folie du geste, répétée 3651 fois par jour. Ou la chimie qui t'infiltre les poumons. Ou les acides qui tronchent les mains. Les contremaîtres qui n'en foutent pas une ramée, mais qui t'observent de loin.
l'isolement et le ressassement. Et l'isolement et le ressassement. Et l'isolement et le ressassement. Et le ressassement. Et le ressassement. 8 heures par jour, sans parler, sans musique, sans radio, juste le bruit de la machine et penser, penser, penser. Pensez en rond, pensez les mêmes idées, les mêmes colères, les mêmes pas d'idées. Pensez, pensez la folie du geste répété 3652 fois par jour. Le ressassement, l'isolement, le ressassement. Le travail à la chaîne, le travail avec la chaîne au pied. On n'a pas idée quand on est comme moi, parisien, protégé, chanceux de la vie, de ce que c'est que de travailler dans un abattoir. Couper des pieds de cochon avec un sécateur. Couper des pieds de cochon avec un sécateur. Déchirer un bœuf en deux à coups de scie électrique. Déchirer deux bœufs en deux à coups de scie électrique. Déchirer trois bœufs en deux à coups de scie électrique. Déchirer quatre bœufs en deux à coups de scie électrique. Déchirer 5 bœufs en deux à coups de scie électrique. Comme une comptine pour enfants maléfiques. Comme une comptine pour enfants maléfiques. Moi, ce que j'ai fait de pire, c'est nettoyer les cuisines à McDonald's, service de nuit, dégueulasse, la graisse noire et l'odeur infâme. Enfin, ça n'a rien à voir quand même avec la fille qui toute la journée, aujourd'hui même, électrocute ton taser son 150e cochon de la journée. Psst, qui électrocute au taser son 151e cochon de la journée. Qui électrocute au taser son 152e cochon de la journée. 153e cochon. On se plaint beaucoup à Paris. Je me plains beaucoup à Paris. Avec mes 2 heures quotidiennes de métro, je travaille tout seul dans un bureau, assis au chaud, et je découpe pas de cadavres. J'ai le boulot propre. Un peu de décence, arrête de te plaindre, s'il te plaît. Je pourrais découper un bœuf en deux à coups de scie électrique pour gagner ta vie. Je pourrais découper deux bœufs en deux. Le scie électrique pour nourrir ton fils. Tu pourrais découper 3 bœufs en deux à coups de scie électrique pour payer l'endroit où tu dors, l'endroit où tu vis. Formulaire, revenez lundi, couloir, préfecture, papier, sécurité sociale, CAF,
impôt, couloir, attente, formulaire, numéro, non conforme, rendez-vous, inscription, au bureau centulaire, couloir. C'est fait exprès de faire attendre les gens. C'est fait exprès que tout soit compliqué. C'est fait exprès que le formulaire soit incompréhensible. C'est fait exprès que tout soit impossible. C'est fait exprès de ne jamais répondre aux questions. C'est fait exprès de ne jamais répondre au téléphone. C'est fait exprès de faire déplacer des gens. C'est fait exprès de faire poser des journées. C'est fait exprès de faire attendre des gens. C'est fait exprès de faire attendre des gens en hiver, dans le froid, dehors. C'est fait exprès de faire attendre les gens dedans, l'été sans prime. C'est fait exprès de faire la queue pendant des heures. C'est fait exprès de se faire humilier. C'est fait exprès de se faire humilier. C'est fait exprès que tu perds ta journée. C'est fait exprès de te faire humilier. C'est fait exprès que tout soit compliqué. C'est fait exprès que tout soit impossible. C'est fait exprès pour formuler. L'œil droit de Juliette nageotait une taie blanche. Oui, elle était moche, moisie, grise, du gris dont on fait la boue, de la boue dont on fait les gris. Je l'appelais pourtant mon bel ange blond, car je n'avais pas de pauvreté dans la bouche. Juliette était chargée de balader Mimile, son jeune frère. Les poumons secs de ce petit aux grandes oreilles molles avaient besoin d'air. Il était rachitique. Il crachait déjà sérieusement en se grattant la gorge comme le font les vieux hommes. Les samedis, je mettais mon costume du dimanche. Juliette avait sa robette à fleurettes imprimées sur fond sombre. Mimi le ciel et une petite robe. Trio. Nous longions le fleuve vert et froid. Les péniches. Les chalands, enfoncés dans l'eau, s'en allaient, remorqués lentement vers une fin de voyage. Je faisais le récit de la mort d'Antoine. Je disais comment, après le plongeon et le plouf, il avait filé entre deux eaux jusqu'à l'écluse. « Quel malheur !» disait Juliette.
avec une indifférence sincère. Elle manquait d'intérêt. Elle était absente, ou pas encore arrivée. Mimille pendouillait à son bras et trottinait bêtement en se plaignant à voix basse. Il avait mal aux pieds, lui. Juliette essayait de faire comprendre à ce petit idiot qu'il était emmerdant. Le petit idiot larmoyait. « Pleure, tu pisseras moins !» lui disait sa sœur, fatiguée et de ses larmes et de ses pipis. Vers le bout du jour, on rentrait par les rues droites d'usine, où il ne passe personne. Du soleil restait accroché à des morceaux d'affiches. C'était l'été. Et dans le plein été, le soleil venait jusque-là. Les pissenlits jaunes se dressaient vaniteusement comme les fleurs. Des chats rampaient verticalement sur les palissades et griffaient. Derrière, ils avaient une vie sauvage dans la douceur des terrains vagues. Des terrains vagues avec des vagues de chiffons sales, de fer rouillé, de sani. On se collait des questions d'amour. « Tu m'aimes ?»« dit. Oui, je t'aime. » On avait des petits désirs dans l'arrière-boutique de nos pensées. « Embrasse-moi. » Je serrai très fort Juliette, ma bien-aimée, entre mes bras. Mimille, en attendant, s'asseyait sur le bord du trottoir et suçait pensivement une canule d'injecteur en guise de sucre d'orge et trempait ses pieds gonflés dans l'eau courante du ruisseau. Ok. Ok, une chanson d'un groupe qui s'appelle The Jam. The Jam. Que j'ai essayé de traduire en français, plutôt qu'en allemand. Alors ça fait partie des... Je ne sais pas si vous le savez, que pour l'instant, j'ai jamais refait une chanson depuis le début là, de mon séjour ici. Hein. C'est que, donc à chaque fois, quand je me plante sur une chanson, ben, je ne peux pas refaire la semaine d'après un mieux. C'est tout ou rien. Il y a déjà eu des moments où c'était réussi. Mais la même chose, quand c'est réussi, je ne refais pas. C'est dommage. Parce que, bon, en même temps, quand c'est raté, ça ne dure qu'une fois. Et puis, bon, je vous ai prévenu dès le départ. Après, il y a une autre chanson, mais ça, peut-être... Non, après, c'est à moi, ça. C'est mieux. Voiture de flic, voiture. Ok, on efface. On efface. Voiture de fumée. Non, ça marche pas. Il y a un chanteur, non, ça. Quelqu'un qui m'a dit à Brest, la Carène, c'est une salle. Donc on venait de faire un concert de Mendelssohn, mais normal, quoi, avec tous les gens qui maquillent autour, hein, qui font la musique, tout ça. C'est moins nu. Et on fait le concert et tout ça. Et alors on sort, et tout le monde était content. Oh, c'était super, vraiment. Bravo, merci beaucoup. Et puis il y a quelqu'un qui vient me voir et dit: ah oui, et alors vous avez jamais pensé à prendre un chanteur? Ça, c'est Brest. Hein, quand tu vas à Brest, bon, ben... Ceci dit, pas plus tard que la semaine dernière, et même chose, hein, je sors comme ça, j'étais content, tout le monde était content, et c'est le moment où j'ai pleuré. Et après, il y a quelqu'un qui vient me voir. Alors, pas trop de notes alors, hein? Pas trop de notes, ça veut dire quoi? Je connais comme il en faut. Pas trop de notes.
appelle ce soir, c'est pas la peine. Venez me voir, on discute, on boit un coup, mais pas de... Il n'y a pas d'autres chanteurs, il n'y a que moi. Il n'y a pas plus de notes que ça, et j'en connais pas beaucoup, voilà. Je vais y arriver. C'est cette guitare aussi qui joue mal. Voiture de flic et une sirène qui hurle, des marteaux piqueurs sur le béton déchiré, le chien qui crie tout contre le bébé, des freins qui crissent, c'est un appel de phare. Ça, c'est des loisirs, ça, c'est des loisirs. Qui explose et des potes qui courent devant le métro, l'abribus qui s'écroule, des murs de peinture noire lentement qui s'écoule, la lumière s'éteint et les coups dans les couilles. Ça, c'est des loisirs, ça, c'est des loisirs. Original, ça c'était une reprise donc du groupe de Jam,
Vous n'étiez pas là au début, c'est ça? Et le titre original, c'est That's Entertainment. Et alors, ça, c'est bien trouvé, non? Ça, c'est... Non, merci. Thank you.
des vacances. Dans ces déjà très vieilles villes nouvelles, peuplées de vie en ruine et d'espoir se ruinant, tu écoutes de l'autre côté du mur. Thank you.
Alors, là, il y a une chanson, bon, c'est peut-être mieux que non. Après, c'était bien, en fait, on pourrait s'arrêter là, presque, non, hein. Tous les jours, j'ai fait le voyage long et inutile dans le train vert et rouge, métro de Paris, 20 stations et 2 changements, du beau, du bon, du bonnet, c'était réglé. Comme les autres, lavé, baigné, torché, je suivis ma petite route immonde sous la ville, dans le convoi de 8h30 des vendeurs, vendeuses, comptables et dactylos, dirigés sur les piles de Madabola et les additions du grand livre. On respirait l'odeur des femmes et de leurs parfums fabriqués, et pas cher. On se nettoyait les dents avec un coin du ticket, ou les oreilles avec les doigts. Les petites filles aux nuques sales lisaient des bouquins graisseux, des bouquins qui avaient circulé une bonne portion d'amour imprimé dans la moisissure des tunnels, loin de la famille aigre. Les gros voyageurs activaient leur ventre mou sur ces fesses maigriottes et attrapaient encore des érections terribles dans leurs caleçons de laine. Les jeunes gens, mes collègues en viande fraîche pour guerre prochaine, s'envoyaient les colonnes de performances sportives de leurs journaux multicolores. J'arrivais fatigué au bureau. J'espère, monsieur, que ce sera votre dernier retard. Ok. Merci encore une fois à la Maison de la Poésie, Olivier Chenançon, Arthur qui fait le son depuis maintenant 4 fois. Denis Lavant qui joue ce soir au-dessus et qui m'a laissé quelques personnes. Vincent Chauvier aussi qui est dans la salle et pour qui j'ai enregistré les 3 chansons ce soir que j'ai chanté pour vous. Il y a très longtemps. Enfin, vu la moyenne d'âge, je pense que certains s'en souviennent. Denis Lavant, il fait pas mieux. Policier du dimanche soir, comme toutes les semaines, il a son meurtre sur les bras, la secrétaire sur le canapé. Dehors, c'était l'heure des poubelles. J'ai eu peur d'un coup, qu'ils viennent tous nous chercher. Le week-end, à chaque fois, c'est pareil. C'est comme s'il disparaissait, avant même que tu saches. Tu y étais. Regarde l'acteur faire semblant de se lever, faire semblant d'aller travailler. Honnêtement, je préférerais pas regarder. À la télé, ils ont jamais trop l'air de ça.
savoir ce que c'est. Ça va faire 10 ans la semaine prochaine, avec l'année où j'ai rien fait, et 2 ans à Saint-Étienne. Et c'est le 4e truc que j'essaie. Au début, je crois que c'était le travail. Maintenant, je crois plus que ce soit que le travail. Il en parle, son fils, il dit c'est la retraite qui l'a tué. Moi je veux trop rien dire, mais pas besoin de demander au super flic qui descend maintenant les meurtriers. Je sais bien que c'est pas vrai. J'ai essayé, j'ai vu, j'ai perdu. J'ai essayé, je ne veux plus, je ne peux plus. Je ne veux plus retourner. Cet été, je me suis promené. Avec l'année qui me reste à tenir, j'aurais assez économisé. Peut-être une petite ville, peut-être au Portugal. Je crois que je pourrais m'arranger. Je suis sûr que ça va aller. Je suis sûr que ça va aller. Thank you.
Honnêtement, j'ai tout donné. Alors, je peux faire une mauvaise reprise des Talking Heads ou une mauvaise reprise de Sonic Youth. Sonic Youth. Alors, celle-là, je vais la chanter en anglais. Je vous remercie. En fait, ça a à voir au fait que quand j'ai essayé de traduire les paroles, ça commence par nous tuerons toutes les Californiennes, nous allumerons l'explosif, le cerveau de la serveuse, tout ça. Je me suis dit, peut-être c'est pas tout à fait la bonne époque. Quelque chose dans l'air comme ça. Je sais pas pourquoi, j'étais en train de traduire le texte. Je me suis dit, non, c'est pas... En anglais, ça passe vraiment comme nickel. Très beau, très beau, très beau. En français, c'est beau, très beau. Sinon, il y avait les Talking Heads. Hein. Alors, les Talking Heads, je vais vous faire juste le refrain. Parce que c'est vrai que le reste est compliqué. Non, non, tu... Le refrain, c'est bien. C'est fini.
kiosque. Mystery Train.